Bonjour, bienvenue à Ewa vous répond. Aujourd'hui, nous allons voir et surtout répondre à la question pourquoi ma clim coule? Pour comprendre pourquoi la clim coule, il va falloir s'intéresser à son fonctionnement. Un climatiseur est équipé en intérieur d'un évaporateur. Cet évaporateur va avoir la propriété de faire condenser en sa surface des gouttelettes d'eau, ce qu'on appelle la condensation. Cette condensation va être retenue sur la partie basse dans le bac à condensat, puis évacuée à l'extérieur au travers d'un tube à condensat. Dans un fonctionnement normal, ce phénomène vous est transparent. Par contre, si vous remarquez des auréoles sur le mur, en bas de votre climatiseur, c'est qu'il peut y avoir deux problèmes à ça. Première raison, le bac à condensat peut être obstrué. Deuxième raison, le climatiseur peut être incliné du mauvais côté, auquel cas les condensats ne vont plus s'évacuer à l'extérieur, mais rester dans le climatiseur, puis couler à l'extérieur du bac à condensat et faire ses auréoles sur le mur. Dans les deux cas, contactez votre installateur. Ce que je vous conseille pour éviter que la situation n'empire, c'est de couper immédiatement votre climatiseur. Contactez ensuite votre installateur et il effectuera les opérations suivantes. Il vérifiera l'inclinaison de votre climatiseur, nettoiera le bac à condensat, débouchera éventuellement les tubes à condensat et vérifiera l'intégralité du circuit d'évacuation pour s'assurer de la bonne évacuation de cette eau et votre clim ne coulera plus. Tout comme votre unité intérieure, l'unité extérieure peut aussi couler. Lorsque le climatiseur est mis en mode chaud, le groupe extérieur va chercher les calories dans l'air et donc émettre du froid. En émettant du froid, l'eau va condenser à la surface de son échangeur et donc couler au travers du bac à condensat situé en bas du climatiseur. Pour récupérer ces condensats, il faut utiliser la pipette fournie avec le groupe, la canaliser pour les évacuer au loin, dans une gouttière par exemple. Vous avez à présent l'explication de pourquoi votre clim coule, que ce soit sur le groupe extérieur comme ici, ou sur l'unité intérieure. Pour toute autre question, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de Ewa vous répond.